Je suis un très grand fan des fameux poulets que l'on connaît tous, mais ce qui m'horripile, c'est le prix que l'on vous fait payer pour trois pauvres malheureux morceaux de poulet, et sans parler de la qualité des produits utilisés. Ah, soyons clairs. C'est pour ça que j'ai voulu partager cette recette avec vous en l'accompagnant avec un légume ancien que j'ai rajeuni aux couleurs du plat. On va réaliser une aiguillette de volaille. Panais au cornflakes, frites de panais et sauce ciboulette échalote. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et on va commencer par préchauffer notre four à 200 degrés. Donc on va commencer notre recette, hein, gourmande, croustillante, fondante. On va commencer par nos panais. Alors, on va prendre une petite poubelle de table, nos petits panais et on va faire nos pluches. Donc, un peu comme une carotte. Je vais éplucher du haut vers le bas. Et on va couper les extrémités. On fait comme ça sur nos quatre petits panais. Le panais, il faut savoir que ça fait partie de la famille des légumes racines. Hein. C'est un légume ancien, le panais, qui était cultivé déjà au Moyen-Âge, pour vous dire. Pour ça qu'on l'appelle aussi un légume ancien. Et aujourd'hui, les panais que vous retrouvez un peu partout, en fait, c'est une variété améliorée du panais sauvage. Maintenant, on va prendre une plaque four avec soit un petit papier sulfurisé, soit un petit slim pad, comme ça, un petit truc en silicone, c'est bien pratique. Un petit filet d'huile d'olive. On met une petite pointe d'huile d'olive. Moi, je vais prendre un petit pinceau. Si vous n'avez pas de pinceau à la maison, c'est pas grave. Petit morceau d'essuie-tout. Et on va juste faire un petit peu de peinture. En fait, ça va nous permettre d'avoir une sécurité en plus que nos panais n'accrochent pas, parce que vu qu'on va mettre du miel, ça peut accrocher aussi. Hein. Allez, on en met bien partout. Et on va tailler des frites d'à peu près en longueur, la taille d'un doigt. Donc, on taille comme ça. Vous voyez, on n'est pas au millimètre près. Là, si je taille la même taille que le premier, à l'autre, ça va me faire un tout petit truc. Donc, je vais juste prendre mon panais et le couper en deux. Comme ça, on n'aura pas de perte. On va se les mettre au fur et à mesure de côté. Donc là, on va faire pareil. Vous voyez, bah, c'est pas grave, elle sera un petit peu plus grande. Hop, on coupe comme ça. On fait par rapport à la taille du panais. Hein. On se règle par rapport à ça. On va prendre chaque morceau. Donc celui-ci, on va le désépaissir. Voilà. Et on va couper nos frites. Pas trop épaisses non plus. Alors, on en aura des plus épaisses que d'autres, hein, parce que le panais n'est pas régulier, c'est pas grave. Et on taille à peu près un demi-centimètre d'épaisseur. Je vais vous montrer sur un morceau. Ce qu'il faut éviter, voilà, c'est qu'on ait des petites pointes trop fines comme ça de panais. Si c'est le cas à la maison, coupez-le, parce qu'à la cuisson, après, ça peut brûler. Donc là, ça serait pas top. Donc c'est pour ça que si il y a une petite pointe qui dépasse, c'est pas trop grave, hein, vous coupez. Le but, c'est vraiment d'avoir quand même quelque chose d'assez épais. Alors, on va s'attaquer à nos morceaux les plus épais maintenant. Donc, nos morceaux les plus épais, par contre, on va tailler, pour ma part, en trois, voyez, de façon à avoir à peu près mon demi-centimètre. Hein. Ensuite, pour aller un petit peu plus vite, vous les superposez et on taille tranquillement notre panais. Et vous voyez là, moi ça c'est trop fin, et ben je mets de côté et je vais mettre toutes mes frites de panais dans mon petit saladier. Je vais avoir besoin de miel, de piment d'Espelette. Le piment d'Espelette, vous allez le mettre selon votre goût. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu pimenté, donc je vais en mettre, allez, deux pincées, allez, une troisième pincée. Vous, si vous n'êtes pas très piment, vous en mettez une seule pincée. On met ensuite le miel, j'ai l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe, hein, une petite lichette de sel, hein, tant qu'on y est, on y va. Mon évier est un peu loin, donc je préfère mettre des grands bouts à la maison. Si votre évier est à côté, allez-y directement à pleine main. Hein. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est mettre une petite lichette d'huile aussi à l'intérieur. Un peu à la Maïté, j'avoue. Ah, j'ai la main lourde, excusez-moi. Allez, et maintenant, eh bien, on va remuer. On en met bien partout. On va les poser à plat sur notre plaque, sans les coller. Voilà, super. Et donc là, on va partir au four à 200 degrés pendant une vingtaine de minutes. On va pouvoir attaquer notre sauce échalote ciboulette.
Alors, on a notre petit œuf. Donc là, ce qu'on est en train de faire, ça s'appelle séparer le jaune du blanc. Mais en cuisine, on appelle ça clarifier. Dans le grand saladier, mon blanc, je le mets de côté aussi pour une petite meringue ou des petits financiers. Hein. Je vais prendre ma moutarde et je vais mettre avec mon jaune. Donc, à peu près une cuillère à soupe, hein, à quelque chose près. De l'huile de colza et un petit fouet. On va remuer notre jaune et notre moutarde. Donc, on va essayer d'obtenir un mélange homogène. Et une fois que vous avez un mélange homogène, eh bien là, on va prendre notre huile de colza et on va monter au fur et à mesure notre mayonnaise. Donc, on en met une toute petite lichette dans un premier temps. Hein, on ne verse pas tout d'un coup, sinon elle ne montera jamais. Hein. Une deuxième petite lichette et on monte. C'est parti. Allez, tranquillement. Vous voyez, j'y vais quasi, c'est quasi un goutte à goutte. Hein. Et on fouette. Voilà. Vous voyez, là, j'ai mis un petit peu trop d'huile. Eh ben, je vais poser ma bouteille et je vais fouetter un petit peu plus fort pour bien incorporer mon huile. Donc là, ma mayonnaise, eh bien, elle est bien partie. Eh bien là, maintenant, je vais pouvoir incorporer mon huile un petit peu plus vite. Hein. Ce qui est important dans la mayonnaise, c'est d'y aller tout doucement au départ et ensuite, on peut accélérer. On mélange bien, on ne s'arrête pas de mélanger. Hein. Si on s'arrête de mélanger, on pose la bouteille, on fouette bien pour que notre mélange soit homogène. Et là, on peut s'arrêter et après recommencer, hein, si ça fait un petit peu mal au bras. S'il y a encore de l'huile dans le saladier là qui n'est pas bien mélangée, on ne s'arrête pas. Sinon, elle va trancher, elle va virer. Et votre mayonnaise, bah, faudra la refaire. Vous voyez, j'en avais mis un petit peu trop. Je me suis stoppé là et je fouette. Là, on va fouetter fort pour serrer notre mayonnaise. Donc là, j'ai mis à peu près 15 centilitres, à peu près, à quelque chose près. Hein. Maintenant, on va éplucher notre échalote et notre ail. Alors moi, mon échalote, elle est énorme. C'est la variété de ces échalotes-là, c'est cuisse de poulet. Je vais en avoir besoin que de la moitié parce qu'elle est très grosse. Ou à la maison, si elle est petite, vous allez ciseler votre échalote complète. Pour l'éplucher, on taille au niveau de la racine, le plus près de la racine. Et ensuite, on épluche notre échalote. On va s'éplucher notre ail. Donc pareil. Voilà. Ensuite, notre ail, on va le couper en deux. Et on va enlever le petit germe qui est juste là, parce que lui, bah, il est indigeste. Donc, on l'enlève. Et là, on va faire des petites entailles tous les millimètres, à peu près, sans aller jusque la racine. Vous voyez, mon couteau, vu qu'elle est assez épaisse, moi, l'échalote, je vais prendre mon petit couteau d'office. Et avec le couteau d'office, je vais mettre un coup comme ça dans l'épaisseur. Si vous, elles sont toutes fines, vous ne le faites pas. Hein ? On reprend notre petite éminceur et là, on va tailler très finement hein, parce qu'on ne va pas la cuire l'échalote. Et on taille en une seule fois, on ne va pas repasser dessus. Donc là, on vient de ciseler notre échalote et la petite racine, eh bien moi, c'est à ce moment-là que je la mets à la poubelle. Mon autre demi-échalote, donc comme je vous disais, moi, elle est grosse, je ne vais pas la faire, sinon il y aura trop d'échalotes. Et mes frites de panais sont à mi-cuisson. Pour finir de les cuire et pour pas les brûler, et bien maintenant, on va prendre une petite spatule, on va passer comme ça, et hop, on va les retourner. On va faire comme ça avec toutes nos petites frites de panais. Je vais pouvoir les remettre, je pense, pas 10 minutes, mais 6-7 minutes à peu près. Donc là, on surveille hein, maintenant, très important. Hein. On fait bien attention, parce que là, moi, comme je vous disais, je suis pas très très loin. Ensuite, on va prendre notre gousse d'ail qu'on a coupé en deux et qu'on a dégermé. On va tailler finement des petites lamelles comme ça dans la longueur. On fait la même chose avec la deuxième demi-gousse. Voilà. Et ensuite, dans l'autre sens, le plus finement possible. Donc si à la maison, vous avez un presse-ail, bah faites-le au presse-ail. Mais moi, je ne suis pas très très fan parce que le presse-ail, ça l'écrase, ça va faire sortir tout son jus et ça peut être amer en bouche et surtout, ça va sentir l'ail, ça va cocoter l'ail. Donc, moi, je préfère vraiment tailler au couteau, hein, tout ce qui est ail, échalote, oignon. On va mettre notre petite ail échalote de côté sur notre planche et on va prendre notre petite ciboulette. Donc moi, c'est une grosse botte, hein.
je vais prendre, allez, une petite dizaine, douzaine de tiges. Vous à la maison, si la botte est petite, ce qui je pense doit être le cas, vous gardez une ou deux tiges pour la décoration tout à l'heure. Hein. Gardez-en bien une ou deux tiges. Ensuite, on va tailler en deux comme ça la ciboulette. Pourquoi ? Parce que ça va être plus pratique pour la couper ensuite. Et on va venir superposer le premier tas sur le deuxième petit tas. Et on va la ciseler. Donc on va la tailler en une seule fois au couteau, le plus finement possible. Si vous n'avez pas de ciboulette à la maison, c'est pas grave. Hein, ou si vous n'en avez pas trouvé quand vous avez fait vos courses, du persil, du cerfeuil fera très bien l'affaire également. Hein. Je vais récupérer ma petite mayonnaise, toutes nos échalotes, l'ail, la ciboulette qu'on a ciselée dans notre mayonnaise. Ensuite, on va bien tout mélanger. Voilà, super. Notre crème épaisse. Le vinaigre blanc. Alors, je vais pas tout mettre d'un coup parce que je ne veux pas que ma sauce soit trop liquide non plus. Et surtout, après, je vais goûter hein, pour voir l'acidité. Si c'est pas acide, j'en remettrai un petit peu. Si ça me convient, bah, je m'arrête là. Hein. C'est une question de goût. Hein. Et on va assaisonner du coup en sel et en poivre. Alors le poivre, hein, on peut y aller. Moi, j'aime bien quand c'est bien relevé. Donc, j'en mets une certaine quantité quand même. On va saler. On remélange. On va goûter. Parfait. En acidité, en sel, en poivre, on est au top. Ça, je réserve de côté. Et mes frites de panais sont magnifiques et cuites à souhait. Parfait. Belle coloration. Au niveau de la cuisson, eh bien on est parfait. Vous voyez, mon couteau rentre. C'est pas ferme, c'est nickel. Donc ça, je vais les réserver juste derrière, de côté. On va s'attaquer à nos aiguillettes de volaille panéo cornflakes. Pour ça, on va avoir besoin de filets de poulet. Donc, on va prendre nos filets de volaille. On va tailler nos filets en biseau, comme ça, donc en diagonale. C'est à peu près... Voilà, hein, on va reprendre à peu près nos frites, hein, vous voyez. La taille à peu près d'un doigt sur à peu près un bon demi-centimètre d'épaisseur. Ça suffira. Hein. Si vous voulez que ce soit un peu plus gros, allez-y. Hein. Mais ça, c'est une bonne petite taille pour des petites aiguillettes. Voilà, on va faire comme ça avec tout notre petite, tous nos petits filets de poulet. Là. Nos aiguillettes de volaille sont taillées. On va pouvoir prendre nos cornflakes. Alors, les cornflakes, c'est un petit moment que j'aime bien, moi. Je prends ma petite poche. Alors, si vous n'avez pas de poche, un petit sac, ça suffira, ça fera l'affaire. Mes petites plaques. Et je vais les mettre à l'intérieur. Et on les écrase. On va essayer d'avoir, alors pas de la poudre, hein, mais quelque chose d'assez fin quand même. Et si c'est trop épais, eh bien, ça accrochera pas bien à la volaille. Hein. Donc, faut vraiment quelque chose quand même de relativement fin. Donc, on les écrase, hein, nos petits flocons de maïs, là. On les remue, on leur fait faire un petit tour. Et on continue à bien les écraser. Et on va mettre notre écrasé de cornflakes dans notre plaque. S'il reste des gros morceaux, n'hésitez pas à les reprendre. On va prendre mon petit saladier qui était là où il y avait les cornflakes dedans. Donc on va les casser à plat, les mettre dans notre petit bol tranquillement. Hop! Les assaisonner en sel et en poivre. Donc on n'hésite pas, hein, même si c'est un tout petit peu trop salé, c'est pas grave. On réassaisonnera pas notre volaille. Allez, on poivre. Voilà, on va les battre en omelette, tout simplement. Hein. Allez, on les bat et on verse nos œufs battus dans notre plaque. On prend une troisième plaque, notre farine, et on la verse également à l'intérieur. Pour paner à l'anglaise, volaille, farine, œufs battus, cornflakes. Dans cet ordre-là. Une petite plaque supplémentaire pour mettre
nos petites volailles une fois qu'elles seront palées. Et on va mettre notre volaille en premier dans la farine. Donc, on va mettre 4 petits morceaux comme ça. On les enrobe bien de farine. Une fois qu'elles sont bien farinées partout, on les tapote pour enlever l'excédent de farine. On met dans notre œuf battu. Vu que j'ai les mains encore dans la farine, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes petits morceaux de volaille et je vais les poser dans la farine. Voilà, comme ça, je serai prêt à revenir dessus. Ensuite, les fourchettes rentrent en action. On va prendre les petits filets de poulet qu'on va retourner. Il faut que, pareil, comme la farine, ce soit bien enrobé. On va enlever l'excédent d'œuf et on va poser dans notre plaque où il y a les cornflakes. On vient prendre nos cornflakes et on vient en mettre par-dessus, comme ça. Voilà. On les retourne. On les secoue légèrement, hein, mais pas trop, sinon tout va tomber. Hein. Tout risque de tomber, donc c'est vraiment juste pour enlever l'excédent de cornflakes qu'on aurait. Paf, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, vous voyez, là, on a nos petites aiguillettes qui sont panées. Là, pour moi, ça suffit. Si vous voulez quelque chose de vraiment encore plus croustillant, eh bien, j'ai une solution. On repasse nos petites aiguillettes dans notre panure. Hein, une deuxième fois. Et là, vous aurez quelque chose de plus épais. Moi, comme ça, ça me convient parfaitement, ça me suffit. Donc, par contre, cette étape-là qu'on est en train de faire, si vous les mangez, allez, dans la demi-heure ou dans l'heure, faites-le. Si, par contre, vous mangez un peu plus tard, hein, eh bien, cette étape-là, il faudra la faire un peu plus tard aussi. Sinon, les cornflakes vont être toutes humides. Et au poêlage, ça va pas être super. On va mettre un filet d'huile d'olive dans notre poêle, la petite noisette de beurre, et on attend maintenant tranquillement que notre beurre fonde et que ça monte en température. On est à 7 sur 10 hein, en feu. Hein. Voilà, mon beurre est fondu, mon huile est chaude. Je vais pouvoir mettre maintenant mes petites aiguillettes de volaille pané au cornflakes tranquillement, voilà. Et ce que je vais faire ensuite, et eh bien vu que là ma poêle est bien chaude, et eh bien je vais baisser mon feu à 6 sur 10. Si vos morceaux de poulet sont vraiment trop épais, colorez les des deux côtés et passez-les au four, hein, parce que sinon vous n'arriverez pas à le cuire complètement sans que la panure soit, la panure sera trop colorée. Donc colorez-les, passez-les au four si vraiment vos aiguillettes sont trop épaisses. Hein. On va pouvoir, je pense, retourner, voilà, notre petite aiguillette de volaille, voyez, belle petite coloration, elle cuise tranquillement. Allez, je prends ma poêle et je vais débarrasser mes petites aiguillettes sur un petit papier absorbant pour enlever cet excédent de gras. Hein. Voilà. Si à la maison vous ne les faites pas avec du cornflakes, mais avec de la chapelure, faites attention à la matière grasse, que le pain ça absorbe. Donc vous aurez peut-être besoin de remettre de la matière grasse dans votre poêle. Hein. On va s'attaquer à notre dressage. Donc rien de plus simple. On va prendre une cuillère et on va mettre notre sauce échalote, ciboulette, ail, mayonnaise à l'intérieur de notre petit bol. On y va, on est gourmand. Hein. Pour mes frites de panais, je vais m'embêter un petit peu, mais je veux faire une belle assiette. Donc je vais prendre mes petites frites de panais et je vais les poser comme ça. Vous voyez. Ensuite, je vais venir en mettre dans l'autre sens. C'est très joli comme ça, ça. Puis ça va emmener un petit peu de volume aussi dans l'assiette. Ça sent bon, ça donne faim. Paf ! Mes frites de panais
sont dressées. Mes petites aiguillettes de volaille maintenant. On va en prendre une ici. On va les chevaucher un petit peu de volume. La petite ciboulette qu'on a gardée tout à l'heure. Une petite tige comme ça. Voilà. Il est l'heure de goûter. J'avais tellement hâte. Donc surtout, ce plat-là, hein. Pas de fourchette, pas de couteau, hein, à la main. Donc, petite frite de panais dans la petite sauce. C'est une tuerie. Mais une tuerie. Je suis fou de poulet pané.